Cette parcelle d'escourgeons vient d'être récoltée sur le plateau Picard. D'habitude, c'est un soulagement. Cette année, c'est une préoccupation pour ce céréalier. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse baisse de rendement, qui est l'ordre de 40 à 50%, et surtout une très grosse déficience au niveau de la qualité. L'explication, les 620 mm d'eau tombés en 6 mois, l'équivalent d'une année pluvieuse. La terre est encore trempée. D'habitude, à cette époque-ci, nous aurions de la poussière, voire on aurait eu du mal à arracher le chaume. À la coopérative, c'est un balai incessant de camions qui apporte depuis une semaine les escourgeons ou orge d'hiver d'une cinquantaine d'agriculteurs. Le prélèvement du taux de protéines et d'humidité est sans appel. Ici, vous avez quasiment presque 8 points de moins que la normale. La qualité du grain, elle ne correspond pas du tout aux normes que les acheteurs nous demandent en fait. 30 tonnes d'escourgeons sont déversées en moins de 5 minutes. 3500 tonnes en tout vont séjourner dans ce silo entre un mois et un an. Cela dépendra des commandes intérieures et des autres pays. Mais compte tenu de l'état des grains, ça n'est pas gagné. La qualité, pour l'instant, elle n'est pas très terrible, vu qu'on a des petits grains et des gros grains, et que le client veut uniquement du grain supérieur à une certaine grosseur de grain. Il va falloir le trier. Ça a un coût en électricité, ça a un coût en manutention, ça a un coût énorme. Payé selon le marché à 150 euros la tonne, le prix pourrait descendre cette année à 110. Très préjudiciable pour les agriculteurs. Ils pensaient se rattraper sur la récolte du colza et du blé, mais le constat est le même. Le rendement minimum sera divisé par deux. Il n'y a que cette partie-là de l'épi qui saura nous fournir du grain aujourd'hui. Cette partie-là, il n'y a pas de grain dedans. C'est d'ores et déjà une année noire pour les agriculteurs.